Salut, aujourd'hui un petit retour sur les courgettes. Vous voyez, là je viens de les sortir du tunnel. Alors vous par exemple, vous les avez sortis de votre maison. Là ils germent, ils commencent à germer. Donc il va falloir maintenant de la lumière, du soleil, de la chaleur continue. Alors la chaleur, on va dire, allez, 12 degrés minimum, ça c'est bien. La nuit, ça descend un petit peu à 7-8, c'est pas très très grave. Moi ce que je vais faire, je vais les mettre sous le tunnel. Ici, là, sous le tunnel, là, tout de suite, il y a le soleil, il fait 30 degrés d'un seul coup, donc je vais ouvrir un petit peu pour que ça baisse un peu. Mais vous voyez, ce que je voulais faire, un petit retour rapide pour vous montrer un petit peu l'évolution. Vous voyez, on a fait la vidéo la semaine dernière. Là, en même pas une semaine, hein, ça a déjà germé, mais pas tout. Mais vous voyez, ces deux-là, par exemple, ces deux-là, eh ben, il va falloir de la lumière. Donc là, ce que vous allez faire, si vous n'avez pas de tunnel ou autre, il va falloir les mettre sur le rebord de la fenêtre, par exemple. Alors bien sûr, je ne pense pas que vous en avez fait 150. Vous avez fait ça dans les petits godets ou dans des petites plaques plus petites, bien sûr. Donc là, ben là, il fait beau. Donc là, vous les sortez, vous les posez sur votre balcon. Enfin, je vais poser, parce que moi, c'est lourd. Vous posez ça sur vos balcons, vos rebords de fenêtre. Puis bah, vous surveillez, faites attention aux limaces, aux escargots, c'est-à-dire aux limaces, escargots, tout ce qui est gastéropode, les oiseaux aussi qui peuvent venir picorer ce genre de jeunes petites feuilles, ils adorent ça bien sûr parce qu'ils ont faim. Et donc là vous allez faire ça, et puis si vraiment les nuits sont en dessous, on va dire de 7 degrés, bah, vous les rentrez. Si vraiment ils sont, vous savez pas trop, vous mettez un petit voile d'hivernage la nuit dessus, mais il faut quand même qu'il y ait du vent, vous voyez, un peu de vent, il y a du soleil, il y a de la lumière, de la chaleur, il faut ça maintenant, parce que si vous laissez ça dans vos maisons, bah, ce qui va se passer, bah, vous voyez les deux qui étaient vraiment hautes, bah, ils vont filer, vous allez vous retrouver des plantes molles, et parce que c'est normal, parce que ça a besoin d'être endurci, c'est comme ça qu'on dit. Donc moi je vais les laisser alors un petit peu ici. Alors si ça monte, ça continue à monter à 30 et j'arrive pas à aérer, bah, je vais les mettre surtout dans le tunnel des aromatiques un peu plus froid. Vous voyez, j'alterne un petit peu parce que la courgette n'a pas besoin d'avoir 30 degrés. Au contraire, il faut 15 degrés dans la journée. On va les rempoter après par la suite. Je vous montrerai comment je fais. Mais voilà, je voulais faire le petit retour pour ça. En règle générale, c'est pour toutes les semences que vous avez fait, il faut les sortir dès lors qu'ils sont à ce stade-là. Je vous remonte, comme ça vous le savez. Vous voyez, hop, on voit bien, ça commence à germer. Vous les sortez tout de suite, ça c'est important. Et là maintenant on est au mois d'avril. Alors bien sûr, si vous êtes dans des régions où il fait encore froid, bah, vous allez faire vos semences plus tard, bien sûr. Mais si vous les avez fait comme moi, si vous me suivez et vous êtes dans le nord de la France, on a à peu près le même temps, hein, en règle générale, sur l'ensemble de tout le nord de la France. Ils sont arrivés comme ça au bout de 3-4 jours parce que vous les avez mis entre 15 et 19 degrés. Au bout d'une petite semaine, ils ont germé. Donc tout de suite, on les sort. Voilà ce que je voulais vous faire, le petit retour sur les courgettes, parce que les courgettes, bah, c'est un légume qu'on consomme énormément, et surtout après, bah, une fois qu'on en consomme tout le long de l'été, et puis après on peut les mettre au congélateur. Ça, je vous montrerai ça aussi bien sûr, comment on fait, c'est très facile. Mais la courgette est un légume important dans nos potagers. Allez, j'espère que ces petits conseils vous ont donné un petit des conseils, hein, et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous êtes, où vous en êtes, ce que vous allez faire. Et puis, bah, si vous voulez d'autres conseils sur la courgette, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Allez, à la prochaine vidéo et passez une excellente journée. Salut, merci.